nous, ça a été prélevé sur des rochers. On voit qu'il n'y a pas de terre, il n'y a que le racinaire de la mousse. Je ne sais pas si on dit racinaire, mais il n'y a pas de terre, il n'y a pas de surépaisseur, ce qui va nous aider pour le Kokedama. Je vais commencer par la diviser en petits bouts et nettoyer les parties qui sont sales ou qui sont sèches. Voilà la plante qui va servir pour le Kokedama. C'est du pin noir. J'ai fait ce semis il y a à peu près 4 ans. Je vais sortir la plante de son pot, démêler les racines et tailler un tiers. Une fois que j'ai démêlé et taillé les racines, je vais commencer à ajouter le keto, la boule de keto, pour pouvoir faire mon Kokedama. Il faut essayer de s'appliquer pour avoir un Kokedama le plus rond possible, selon les goûts. Vous pouvez aussi le faire ovale ou d'une autre forme.